13h aux États-Unis, le titre 42 sera remplacé par le titre 8 pour la prise en charge des demandes d'asile à la frontière mexicaine. Les républicains s'affolent depuis plusieurs jours et ils craignent un appel d'air, voire le doublement de l'afflux. Alors, le titre 8 est-il si favorable aux migrants? On voit cela avec Philippine de Clermont-Tonnerre. Profiter du bref arrêt d'un train de marchandises filant vers le nord pour atteindre le plus vite possible la frontière américaine. Non loin de Mexico, ils sont des milliers à tenter leur chance, sans vraiment savoir ce qui les attend à l'arrivée. J'ai compris qu'ils vont modifier le titre 42, qui sera remplacé par le titre 8. Mais je ne sais pas quelles seront les nouvelles restrictions. C'est encore assez confus pour nous. Le titre 42, instauré en 2020 en pleine pandémie. Ce dispositif doit être levé dans quelques heures. Il prévoyait l'expulsion automatique de toute personne dépourvue de visa, y compris les demandeurs d'asile. En 3 ans, il fut utilisé près de 3 millions de fois. C'est désormais le titre 8 qui fait son retour. Une législation beaucoup plus restrictive. Les migrants pourront toujours demander l'asile à condition de faire une demande avant de poser le pied sur le sol américain. Un processus long et fastidieux. Plus dissuasif encore, en cas de franchissement illégal de la frontière, ils s'exposeront à des sanctions. Expulsion du territoire, présomption d'inéligibilité à l'asile ou encore interdiction durant au moins 5 ans de retour aux États-Unis. Résultat, des milliers de migrants se pressent à la frontière avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures. Washington met en garde les candidats à l'exil. Soyons clairs, la levée de la mesure sanitaire titre 42 ne signifie pas que notre frontière est ouverte. C'est même le contraire. En vertu du titre 8 du Code des États-Unis, les conséquences seront plus sévères pour les personnes qui la franchissent illégalement. Les autorités s'attendent à un afflux majeur de migrants. Le président américain prédit une situation chaotique. Plus de 25 000 agents et soldats ont été envoyés en renfort à la frontière. Les États-Unis prévoient également d'augmenter les vols de rapatriement. Le titre 42, vous l'avez entendu, a permis de refouler presque 3 millions de personnes depuis son entrée en vigueur en 2020. L'administration américaine continue d'affréter des avions pour accélérer les expulsions jusqu'à minuit. Sur certains vols, les femmes et les hommes sont enchaînés. Le Mexique, le Honduras et le Guatemala sont les principaux points de chute. Autre changement, les migrants peuvent désormais faire leur demande d'asile directement en ligne via une application mise en place par le gouvernement américain. Mais cet outil a 2 inconvénients. Il bug souvent et surtout, il paraît totalement déconnecté de la réalité des candidats à l'exil. On voit cela avec Antoine Delpierre. Avant même d'espérer passer la frontière avec le Mexique, un nouveau mur se dresse devant ces migrants aux portes des États-Unis. J'ai un message d'erreur. J'essaie depuis 9h du matin. Un mur virtuel nommé CBP One, du nom de l'application lancée par le service américain des douanes et de la protection des frontières pour centraliser les demandes d'asile. L'application ne fonctionne pas correctement. Vous ne pouvez pas vous connecter pour prendre le rendez-vous. Si l'application ne s'améliore pas, je passerai illégalement parce que je suis politiquement persécuté par le gouvernement vénézuélien. Outre les défaillances de l'application, le processus apparaît déconnecté de la réalité qui se joue ici. Au terme d'un voyage éprouvant de plusieurs milliers de kilomètres, un téléphone adapté, du Wi-Fi ou simplement de l'électricité sont un luxe que ne peuvent s'offrir ces migrants. C'est très frustrant parce que je pense que l'application devient un mur. C'est anormal de voir une application décider de notre vie et de notre avenir. L'inquiétude liée à la levée du titre 42 ce jeudi à 23h59 a poussé de nombreuses personnes à se rendre aux autorités américaines ou à tenter la traversée du Rio Grande avant l'heure fatidique, dans des conditions chaotiques et illégales, comme ici à Matamoros, 1000 km plus au sud de Juarez. Pourquoi n'ai-je pas attendu un rendez-vous? Parce que demain, ils disent que nous ne pourrons plus entrer. Voilà pourquoi les gens sont si pressés. Personne n'est certain de rien, alors nous devons prendre de l'avance. Pour une demande d'asile via l'application CBP One, la porte de l'Amérique peut rester fermée à tout jamais. Une exception existe néanmoins pour les populations vulnérables, comme ces migrants se disant victimes de persécutions dans leur pays d'origine. Ils devront désormais comparaître devant un juge qui décidera s'ils peuvent rester ou non aux États-Unis. Aux centaines de roquettes tirées depuis la...